Hey, coucou tout le monde, bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, moi ça va très très bien. Ben, je suis avec ma fille. Si vous entendez des bruits et puis des cris, tout ça, ben, c'est un peu normal parce que tous les deux sont là. Et ben, mon mari est sorti, je sais pas partout où. Bon, bref, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Donc, c'est la première fois que je commence sur ce site, donc j'ai osé commander. Et puis voilà, ça a mis un peu plus de temps par rapport au confinement, tout ça. Mais bon, ils sont arrivés quand même. Il s'agit de site, pas beauté privée, pardon, showroom privé. Voilà, aujourd'hui, on va faire unboxing de showroom privé et de beauté privée. Alors, sachant que j'ai commandé beaucoup, moi, j'ai pris ça. Et ça, il y a ça. Et encore deux qui sont juste en bas. C'est un peu lourd, donc c'est pour ça que je n'ai pas pu la lever. Donc, voilà. Alors, j'ai juste ouvert comme ça, mais. J'ai pas encore regardé ce que c'est dedans. J'ai pas triché. Donc, celui-là, je l'ai même pas ouvert. Voilà, il est comme ça. C'est arrivé hier. Voilà. Il y a encore deux ou bien une coulée de chez Beauté Privée que j'attends. Mais je me suis dit, bon, bref, c'est pas grave. Je pense ça, c'est des choses. C'est celui de mon mari en fait. Enfin, j'ai commandé quelques petits trucs pour lui. Donc, je me suis dit, si il le voit, donc il va tout de suite ouvrir. Allez, avant qu'il ouvre, on va la voir avec vous ensemble. Et après, c'est pas grave s'il ouvre ou il regarde. Ou il le porte même. Alors, on va la ouvrir comme ça, à l'arrache. Ah ouais. Ce que j'avais dit. J'avais commandé. Désolée, fait bruit là. D'accord, des petits trucs, c'est quoi? D'accord, c'est des petites cartes comme ça, des petites cartes comme ça. Attendez. Ah, c'est chaud le côté, il faut me faire. Après, ah oui, des petits trucs comme ça là. Oh, c'est sympa ça, ce mix ça. Voilà, visage. Merci pour des petits échantillons, on va dire. Après, il y a quoi d'autre? Il y a plein de trucs là. Bon, ça c'est les. D'accord, c'est ce que l'achat que j'ai fait. Donc, récapitulatif de ça. Encore un petit truc, c'est quoi ça? Barbecue fast. Bon, des publicités, des petits trucs, machin, à droite et à gauche. Bref. Alors. Oui, je lui ai commandé en fait des deux paires chaussettes. Des paires pas différentes. Dans ça, il y a trois paires en couleur gris. La marque Jeep. Voilà, j'ai pris taille à. Ah oui, c'est un peu grand quand même. 43, 46. J'ai peur que ça soit un peu grand. Et celui-ci, c'est pareil, de la même marque, mais en blanche. Quelle taille? Pareil, taille 43, 46. J'ai bien peur que ça soit grand, mais bon, c'est à voir. Donc voilà, c'est des mi-chaussettes. Hein. Donc ils étaient vraiment pas trop chers. Ils étaient à 2 euros, un truc comme ça. Si j'ai. Non, j'ai pas les prix. J'ai juste les articles, c'est tout. J'ai pas les prix. En tout cas, c'était pas très très cher. C'est pour ça qu'en fait, j'ai vu. Donc je me suis dit, allez, tente-toi. Donc tu verras bien. Et voilà, donc trois t-shirts bleu, rouge et blanc. Bleu, blanc, rouge. Ah, il y a bleu, blanc, rouge. La marque Jeep, toujours j'ai pris taille L pour lui. Mais j'espère que ça lui va. Parce que sinon, il va râler, bien sûr. Donc, moi, j'ai pas l'habitude de faire shopping pour lui. Voilà, quoi que ce soit sur Internet ou voilà, dans les magasins. Lui fait, voilà, lui choisit. Donc.
toujours en taille L, mais en couleur rouge. Et celui-ci, c'est en bleu, voilà, toujours la couleur, couleur bleue, même taille. Mais j'espère que ça ira. Je le même, j'ouvre même pas. Bon, après, ils verront bien. Encore. Il m'a gâté avec des petits échantillons quand même. Je suis en privé. Merci. 8 femmes sur 10 ont une zone non tournée. D'accord. Ah, d'accord. C'est des trucs de Nina là. D'accord. Avec c'est des petits productions, machin, tout ça sur. D'accord. Oui. Ça, je vais voir après tranquillement. Donc, voilà pour. Premier colis qui était c'était pour mon mari de chez Chantilly. Et le deuxième, c'est un petit, mais c'est un t-shirt Mango. La même taille, celui-ci c'est en taille, quoi, quelle taille? M, oui, M, mais ça lui va très bien. Donc voilà, il vient de porter. C'est la même, mais c'est sauf que c'est écrit en bleu ici, Mango. C'est tout. Donc pareil, c'était pas très très cher, un truc 7 euros, 10 euros, un truc comme ça, voilà. Bon, désolé, mon mari était arrivé, donc j'étais obligée de couper. Je lui ai montré, voilà, j'étais pris tout ça, mais bon, il est en train de regarder dans la cuisine avec ses filles, donc voilà. Donc voilà, je disais pour ce t-shirt, mais voilà, la même taille, même chose, sauf que la deuxième est en bleu. C'est tout. Donc voilà, c'était dans ce petit carton, dans ce petit plastique, on va dire. On le remet et on le met par terre. On continue avec Chaud Privé. Le carton de ce colis, j'ai envoyé un colis pour vider. C'est pour ça que ça, je l'ai mis dans le sac au champ. Alors, sinon, il y a quoi dedans? J'ai pris ça parce que j'avais besoin. Celui que j'ai, c'est plus petit. Des fois, il se met en mode éveil, je sais pas quoi. Et j'attends que ça se rallume. Donc, j'en avais marre. Donc, j'ai pris ça. Il y a trois ou deux. Deux, je pense, oui. Ouais. Voilà. Deux bouts qui se changent. Voilà. Diffuseur et deux... quoi, bouclé individuel. Donc voilà, c'est très bien. Je l'ai même pas ouvert, j'avoue. On va l'ouvrir, c'est pas grave. Oula. Oui. Si on met 50 ans pour ouvrir juste un petit carton qui est bien, bien emballé. Franchement, hâte d'utiliser ça. C'est le petit bout comme ça. Ah oui. Et on va voir. Mais ça sent. Bon, d'accord. Il y a deux vitesses. Deux petits boutons comme ça là, deux vitesses, il est assez grand, hein, regardez. Et avec des bouts comme ça. Et ça se met comme ça là. D'accord, ok. Et ça pareil, au lieu de 80 euros, il est passé à 19 euros. Voilà, des fois, je regarde les prix qui passent, voilà, ils sont très très intéressants. Et bah... Comme je dis, j'ai osé le commander parce que je ne savais pas. Je me suis dit, bon, on peut faire confiance surtout. Donc, ça va apparemment. On va ranger parce que si je ne le range pas, vous savez, avec les enfants. Alors, après, quoi d'autre? J'ai en privé. J'ai pris ce truc-là, mais c'est pour un épilé. Vous savez, le visage et tout ça, un petit appareil control with pinpoint pardon, précision in any direction. Ouais, donc c'est un petit appareil que vous pouvez
Enhance Hair Loving Skin Soft. Voilà. Que tu peux enlever tes poils, quoi. Mais il faut le faire très très attention, voilà, délicatement apparemment. Voilà pour ce petit appareil. Et après, j'ai pris un petit set de manicure et pédicure. Donc, il fait les deux. Il fait les deux. Donc, voilà, j'ai pris. Bah, des fois, on a besoin. Voilà, pareil, pas trop trop cher. Je crois. Mais non, changer l'appareil. Bon, où on était? On était là. Je disais que c'est pas fini. Ma commande de chez Showroom Privé. Voilà ce que j'ai commandé. Le plus grand. Bah, j'aurais dû montrer ça en premier, mais bon, bref, c'est pas grave. Donc voilà, c'est un. Ça, on peut dire un casserole. Non, c'est pas un casserole. Un gamelle. Cuisine comme sur non, c'est made in allemand, d'accord. Marmite, voilà, exactement. Donc c'est une marmite comme ça. Et on va la voir parce que moi j'ai pas encore regardé comment c'est. Donc ça m'a coûté un peu cher par rapport à ce qu'on voit, les promos, tout ça dans les magasins, je sais pas moi, Auchan, Leclerc, tout ça, bah c'est un peu cher, mais bon, avec les frais de port, tout ça, ça m'a coûté environ, on va dire environ 50 €, c'est cher. Donc voilà un petit, c'est pas bien protégé, hein, mais bon. J'espère que c'est pas cassé, voilà, quoi que ce soit. Donc il est comme ça en métal. J'aurais aimé si c'était en plastique, vous savez, en silicone. Ça, on peut se faire brûler quand on fait pas attention, on lève. Bon, alors pour ça, c'est bon, on va voir l'intérieur. D'accord, on a deux poignée en silicone, voilà, pour là on peut rentrer. Ah ouais, ça rentre direct, regardez. Mais on peut le vider à l'intérieur. L'intérieur il est comme ça, il est assez profond. Moi j'aurais voulu un peu large parce que moi je cuisine souvent, vous savez, le riz. Voilà, si vous me suivez depuis un petit moment, vous allez voir que quelques vidéos j'ai mis, mais oui, bon, pendant le ramadan, après ou avant, donc je fais souvent, mais beaucoup souvent du riz, donc c'est pour ça que j'aurais voulu aimer en fait que ça soit un peu plus large. Bon, d'accord. Mais c'est pas grave, c'est pas moche. On peut bien cuisiner. Ah oui, la soupe, pourquoi pas. Ben voilà, comme j'ai dit, riz, voilà, plein de choses, quoi. Donc, il est profond, voilà, j'aime bien. C'est la seule reproche que j'ai, en fait. Oh, c'est quoi ça? Il y a des petits trucs comme ça, là. C'est la seule reproche que j'ai. Très dommage, très 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 dommage, c'est ça. J'aurais voulu mettre comme les poignées en fait, qui aurait aussi vous savez, un petit protège en silicone, mais il n'y en a pas. Bon, ce n'est pas grave, d'accord. Dans cette petite boîte, regardez, trop mignon, rouge avec des petites pattes des bébés. C'est une paire genre sandales fermées, devant fermées. J'ai commandé pour ma fille. Marron comme ça, là, made in Espagne. J'ai commandé en 22, mais malheureusement, c'est petit. Et pour envoyer, enfin, renvoyer l'article chez Showroom Privé. Pardon, je baille. Je sais pas qu'est-ce que j'ai. Pour renvoyer l'article, mais je sais pas qu'est-ce que, enfin, comment on fait, comment c'est. Donc c'est, je vais voir. Donc voilà le dernier article
de chez Choron Privé. Mais c'est très dommage, j'ai bien. Mais c'est pour garçon. Moi, j'ai commandé pour fille parce que devant c'était fermé. Quand elle sort, voilà, avec les enfants, tout ça dehors. Donc, c'était pour protéger, vous savez, les pieds devant. Mais c'est petit, malheureusement. Donc, je vais voir comment le service client, il faut que je contacte service client, comment c'est la procédure, tout ça pour renvoyer l'article. Et voilà. Et sinon, c'est terminé pour showroom privé. Voilà, unboxing showroom privé terminé. Donc, let's go pour beauté privée. En sachant que encore j'attends le 2 colis de chez beauté privée, mais c'est pas grave, ça je ferai un haul. Mais là, je vais faire tout de suite un unboxing parce que moi j'aurais voulu aimer. Je sais pas si ça se dit, j'aurais voulu aimer. Que la commande que j'ai fait mi-mai pour fête des mères, donc voilà, il n'est pas encore arrivé, mais c'est pas grave. Faites des cadeaux, faites des plaisirs, tout ça, c'est jamais trop tard, donc voilà, mais c'est pas grave. Alors, on commence tout de suite par beauté privée unboxing. Unboxing, attends, je me souviens même pas. Des choses que j'ai commandées. Ça fait tellement enfin, le temps que voilà. Bon, bref. Alors, on a un petit échantillon. Voilà. Regardez un petit échantillon. Je sais pas qu'est-ce qui se passe là. Aujourd'hui, j'en ai beaucoup d'échantillons là. Regardez. C'est le masque nourrissant. Voilà, répare au beurre de quoi? Capa. Capoussou, je sais pas. Donc voilà un petit échantillon. Sinon, ça c'est ce que j'ai acheté. Voilà. Après, oui, ça y est, je me souviens. Donc j'ai pris deux soins de corps. Voilà, comme ça, crème défilateur pour voilà, si vous voulez les jambes, vaisselle, maillot, ce que vous voulez. Donc voilà pour ça, je les aime bien, ceux-là ils sont bien. Donc moi quand j'utilise celui de Vette, la marque Vette, ça me comment dire, je suis pas bien dedans, enfin je me sens pas bien quand après l'usage, je vais arriver. Donc voilà, ceux-là je les aime bien. C'est avec ce deux là, c'est le cinquième ou bien septième tube que je commande, que j'ai fini. Donc voilà, c'est pour ça. Donc rien de facile de, voilà, facile d'usage, épilation rapide, formule apaisant. Donc résultat, voilà pour ça. Non, manager, tu touches pas. Non, non. Après, j'ai pris un eau micellaire hydratant de la marque Dédir Men. Oh, je vais arriver, je vais arriver. Donc voilà, il fait un 400 ml. Franchement, c'est beaucoup, hein. Donc voilà, j'ai pris surtout pour enfin, oui, qu'il y avait marqué hydratante. Donc voilà pour ça, une extra de thé blanche et la glycérine dans une formule qui. Voilà, donc moi j'ai une peau assez sèche, déshydratée, machin, tout ça. Donc voilà pour ça que j'ai pris ça. Après, j'ai pris les démaquillants, bien sûr, de la même marque. Les démaquillants hydratants. Visage, yeux et lèvres. Peau sèche et sensible. D'accord. Donc c'est tout à fait pour moi. Ça sent trop bon. Non, mais ça sent trop bon ça. Et voilà pour ça. Après, de la même marque. Pardon, je sais pas ce que j'ai. Oui, je vous disais, de la même marque, j'ai pris crème soin de jour, voilà, hydratante protecteur.
Protecteur, voilà, ça y est. Soin du jour peau sèche et sensible. Donc voilà, il fait un 50 ml. Donc ça irait très bien. Avant ça, j'avais acheté chez Auchan, pardon. Donc il est très bien pour ma peau. Donc j'ai pris ça. En plus, c'était pas très cher. Franchement, c'était pas très très cher. Donc voilà pour ça. Sinon, ça, ça a l'air un peu foncé, mais bien foncé, je sais pas, à voir. J'ai pris de la marque Maybelline Super C 24 heures un fond de teint, mais il fait un 30 ml, mais il me semble que c'est un peu c'est un peu foncé. Oh yeah. Ouais, ce que j'y disais. Oh my godness. D'accord. Je vais l'étaler un peu pour voir. Oh my god. Ouais. Ça sent pas spécialement bon. Sais pas, voilà. J'ai mis sur ça. Je sais pas si vous voyez bien. Mais il est un peu foncé, mais c'est pas grave. J'ai une solution. J'ai un fond de teint beaucoup trop clair pour moi. Donc, je vais mélanger et puis je ferai avec. Hein. De toute façon. Allez, après. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un petit coffret. Très sympatoche. Voilà. Qui fait. Qui fait quoi? Donc il y a quoi dedans? Il y a un petit éponge, d'accord, ok. Et ça doit être un, oui d'accord, sérum. Le petit c'est un sérum. Voilà, ici c'est un petit éponge. Celui-ci, je crois que, mais la tête est, enfin, le face est tourné. De quoi? Fixateur de maquillage, ok. Fixateur de maquillage, un petit sérum et un petit éponge. Donc pourquoi pas, ok, d'accord. Moi j'ai déjà cette fixateur de maquillage. Je l'ai voulu juste pour ça, mais bon, je vais pas l'ouvrir. Je vais pas l'ouvrir, ça fera un petit cadeau très sympa. Ou pourquoi pas. D'ailleurs, j'ai pas, je fais pas ou. Enfin, j'ai pas assez d'abonnés, oui, pour faire le concours, voilà. Donc, malheureusement, mais sinon, voilà, pour faire un petit cadeau à quelqu'un, mais pourquoi pas. Donc, moi, je vais pas l'offrir parce que j'ai déjà cette fixateur, j'ai l'éponge juste pour ça. Non, mais je vais pas l'offrir. C'est pas grave, je vais pas l'offrir. Donc, voilà pour ça, je le mets juste là parce que mes filles, vous savez, avec mes enfants. Après, j'ai pris deux couleurs, couleur éclat numéro 29 blanc très clair. Donc je vais me faire décolorer d'abord parce que là tout de suite j'ai, au mois de février j'ai fait du henné parce que moi quand je fais henné donc mes cheveux ils sont plus dur, je perds pas mes cheveux, voilà tout ça. Donc d'abord il faut que je fasse décoloration et après bah, je passerai à cette couleur, mais je sais pas du tout qu'est-ce que ça va donner, aucune idée. Bah, avant ça je si j'ai fait des mèches, vous savez, des mèches comme ça. Bon, certains qui ont aimé, certains qui n'ont pas aimé. Donc ça, faire entièrement les cheveux, voilà, comme ça, blanc. Donc, à voir. À voir, à voir. Donc, franchement, j'ai pas payé trop cher. Donc, tout ce colis, ça m'a coûté 49 euros. Pas cher, hein. 49 euros. Alors, qu'est-ce que j'ai encore dans ce petit colis? J'ai, oui, la crème, moisturizing crème, 50 ml, il fait voilà, c'est un vitamine C qui est trop gros là-haut. Ouais, je crois que c'est crème nuit et voilà, night cream, moisturizing night cream and moisturizing cream. I think it's for day, night and day. Ok, why not? Why not? Why not? Why not? Donc, à voir qu'est-ce que ça va donner.
Mais c'est pas écrit en français? Non, c'est pas écrit en français, ça. C'est pas écrit en français, c'est juste écrit en anglais. Moi, je suis dans un crime nuit et celui-ci, ça doit être crème du jour parce que c'est pas écrit, mais voilà, logique, c'est ça. Voilà pour la première petite carton de chez Beauté Privée. On passe au deuxième. On passe au deuxième. Attendez. Petite récapitulatif que ce que j'ai acheté, machin, tout ça. Alors, mais avant, quand j'ai acheté des choses, voilà, chez Beauté Privée, ma salle. Mes colis arrivaient, ils étaient en soit déchirés, soit un truc qu'ils n'allaient pas, machin, tout ça. Mais j'ai râlé. Deux, trois fois, j'ai râlé. Je me suis fait rembourser, bien sûr. Mais j'ai râlé. Je me suis dit, non, mais c'est pas possible. À chaque fois, c'est comme ça. Il faut faire attention quand vous l'envoyez, machin, quoi que ce soit. Chut. Et là, maintenant, ils font attention. Tiens, tiens, tiens. Tiens, tu me laisses tranquille, s'il te plaît. Oui. Il y a que d'accord après. Donc voilà pour la deuxième cartouche. Petit carton. J'ai des petits trucs là. Je vais vous montrer tout de suite. Alors, c'est quoi? C'est une petite. Ah oui, anti-âge. Crème anti-âge que j'ai pris. Voilà. Crème anti-âge que j'ai pris. Je crois que j'ai pris aussi. Ouais. Crème de jour, il me semble. Moisturizing, non, tout est. Qu'est-ce que c'est écrit? Franchement, si c'est pas écrit en français. Bon. Qu'est-ce qui se passe? What happened? Donc c'est un sérum, voilà, scrub illuminate. Donc voilà, comme ça. Et celui-ci c'est un crème, c'est 50 ml et sérum crème. Et ça aussi c'est un crème. Pourquoi j'ai pris crème deux fois? Faut m'expliquer s'il vous plaît. Skin Tone Lightener, d'accord, il fait apparemment un peu blanchir. Donc voilà. Non, d'accord, j'ai compris. Un sérum, petit. Ça c'est crème et ça c'est genre comment vous expliquer là? Un scrub. Je sais pas comment vous expliquer. J'ai compris ce que c'est. Je vais expliquer pour vous, mais voilà. Mais il n'est pas protégé, un truc comme ça, d'accord. On en va et prend dans ta gueule comme ça, on s'en fout, d'accord. J'ai payé ça cher. Franchement, j'ai eu le petit coulis, j'ai payé cher. Bon, bref, donc appliquer sur le visage, pas plus de deux fois par semaine. Une généreuse quantité produit. On va pas appliquer, ouais. En fait, il a des petits graines, voilà, pour c'est une crème. Il y a juste qu'il est un peu mais je suis blonde ou quoi? Mais non. Oh, non, 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 pas du tout, pardon. Excusez-moi. Mais ici, c'est pas écrit, franchement. Ici, c'est pas écrit. Voilà, c'est pas ma faute. Regardez bien vous-même. C'est ici qui écrit, mais très petit. Gommage. Voilà, éclaircissant, pardon, gommage éclaircissant visage. Très désolé, franchement, très, 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 j'ai très honte. Voilà, parce que c'est pas ma faute. Ici, c'était pas écrit, donc c'est écrit juste ici. Donc, c'est le gommage, ok, blonde. Et ici, c'est quoi? Je vais ouvrir parce que on sait pas. J'espère que c'est pas gommage non plus, celui-ci. Soin de visage hydrate réparateur. D'accord, ok, voilà. Oui? Attends, j'arrive.
Alors voilà pour les petits anti-âge, machin, tout ça. Et celui-ci, Face Moisturizing. Ok, Skin Tone Lightener. Si vous comprenez anglais. Donc c'est un crème. Oh, j'aime bien le packaging. Oh, ouais, d'accord. Ah ouais, trop beau. C'est joli comme packaging. Ça fait chic, ça fait riche. Ouais. D'accord. Ça sent, je sais pas quoi là. Donc voilà pour ça. Ça c'est crème par contre. Allez, donc on est bon pour ça. Vous savez, après 30 ans, il faut faire très très attention à peau. Après, j'ai pris, les chers amis, deux masques comme ça là. Normalement, ce masque-là, ils sont très très chers en magasin. Enfin, très très cher. Je vous dis entre 8 euros et un truc comme ça. Moi, je vais payer 4 euros. Moi, j'ai pris celui de banane. Ça sent trop bon. Il y avait différents parfums, tout ça, mais j'ai pris celui de banane. Et ça, j'ai payé que 2 euros. Voilà. C'est un masque, si vous le mettez, si vous le rincez ou pas rincez, c'est comme vous voulez. Sauf que si vous voulez rincer, il faut un peu aller au profond de votre. Voilà. Et si vous voulez pas le rincer, c'est juste mettre. Au, vous savez, au bout de vos cheveux, c'est tout. Ah oui, la même truc là. Et j'ai pris aussi ça. C'est un quoi? C'est un huile. Voilà, anti-âge, vita-âge, cocos pur. C'est un sérum peut-être. Mais comme moi, je crois que vous n'avez pas compris des trucs là. C'est pas très très clair ce truc. With avocado oil. D'accord, c'est l'huile d'avocat apparemment. C'est pas un sérum, c'est l'huile d'avocat. Donc voilà. C'est tout. Ça sent bon. Ça sent bon, c'est l'huile d'avocat. Voilà, pour les rides, pour des trucs comme ça. Voilà. Bon, après ça, c'est bien. Il y a un petit notification. Bon, après, si je veux l'utiliser, il faut que je le lise avant d'utiliser, bien sûr. Oh là là. Voilà pour ça. Il faut que je range tout ça parce que j'en ai marre. Hein. Après, je vais en sport. Ça y est, attaquer au sport là. Parce que j'ai pris. Hein. Mais j'ai rien compris. J'ai pris ces deux petits trucs là, la même gamme que tout à l'heure que j'ai montré, le soin de jour, gommage, tout ça. C'est la même. C'est la même marque, je veux dire. Ça, c'est un collagène and perles. D'accord, c'est tout. Collagène and perles, collagène and perles. Et Slow Edge. Perle Active et Slow Edge Active Perle Serum. Serum Perle Active. Et celui-ci, Collagen and Perle. C'est tout. Donc, ça, franchement, il faut que je regarde un peu plus. Parce qu'avant d'utiliser, je sais pas du tout. Et il faut voir. Il faut avoir. Donc, dites-moi, s'il vous plaît, si vous connaissez ou si vous avez déjà utilisé de cette marque, quoi que ce soit. Voilà. Et voilà quoi. D'accord. Après, allez, vous avez vu comme j'adore ce truc là, j'ai pris, voilà, encore une bonne, encore une. Donc c'est de la même marque, de la même gamme, c'est 125 ml. Donc voilà, extrait aloe vera, facile d'usage, et puis le plus rapide, machin, tout ça. Donc c'est le troisième, on va pas dire flacon, ouais, bouteille, un truc, voilà, comme vous voulez, que j'en ai pour un moment, je suis tranquille. Après, le dernier machin que j'ai là, produit que j'ai dans ce carton, c'est un savon d'acné.
savon d'acné, voilà, pour enlever vos taches, vos acnés, machin, tout ça. C'est un petit savon noir. Mamour d'acné. Voilà. Mérissa. Donc, ça sent, je sais pas quoi. Alors, voilà, c'est un savon d'acné. Donc, apparemment, appliqué, j'avais lu ça. Si vous souffrez d'acné, vous avez besoin d'un savon qui n'est pas trop, trop dur. Voilà, de sorte qu'il n'hérite, voilà, n'hérite pas la peau, élimine et contrôle l'apparence de sébum, baisse sur les mineurs de la mer morte, le savon d'acné, voilà, formule pour les peaux problématiques, hein, enlève les impuretés, ah ouais, enlève les impuretés et le gras non désiré. Moi, donc voilà pour ce savon, regardez. J'essaye vous trouver tous les liens, tout ce que je vous ai montré, j'essaye vous le mettre en barre d'infos. C'est un peu difficile pour moi parce que j'ai pas d'ordinateur, je suis avec le téléphone et c'est un peu compliqué. Voilà, si vous êtes youtubeur ou youtubeuse, voilà, vous connaissez c'est quoi le travail derrière. Donc voilà, c'est terminé pour unboxing d'aujourd'hui, mes chers amis. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, abonnez-vous s'il vous plaît, ça me fait toujours plaisir et m'encourage bien sûr à continuer et liker la vidéo si c'est le cas. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous pensez de cet unboxing et le produit que vous avez déjà utilisé, surtout si vous commandez chez showroom privé ou par rapport au prix, qualité, tout ça. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Et voilà. Je vous laisse avec tout ça ici. Et bien sûr, derrière, j'ai beaucoup de boulot. Il faut que je range tout ça et surtout voir avec le service showroom privé pour renvoyer les petits sandales de ma fille. Et puis voilà, j'ai pas mal de choses à faire. Je vous laisse là, je vous fais un grand énorme bisou et puis prenez soin de vous. Et puis on se retrouve très très prochainement sur une autre vidéo.